santé, comment on fait pour être en bonne santé, justement? Les aliments qu'on met dans notre corps, c'est ça qui va faire que nos cellules sont remplies de bons aliments et qui vont être joyeuses, productives. Pourquoi l'autre personne à côté est malade, elle n'arrache? La santé, c'est ce que je mange, c'est ce que je pense, c'est ce que je bois. C'est aussi super important sur ce que j'élimine. Alors, une façon de bien éliminer, je vais vous donner un déjeuner que vous pourriez faire qui va vraiment vous aider grandement. On va s'acheter des fruits. On peut s'acheter toujours des fruits congelés ou des fruits frais. Vous en avez de toutes les sortes ici. Variez vos fruits pour varier vos vitamines, vos minéraux. Les fruits ont comme fonction de nettoyer justement, puis donner vraiment de la force à vos cellules. Fait qu'on se fait un beau smoothie avec de l'eau. On peut mettre juste de l'eau, puis c'est très correct comme breuvage. Ça vous fait un super breuvage comme ça, comme déjeuner. N'ayez pas peur d'avoir faim, parce que les fruits et les légumes, ils valent pas mal plus que d'avoir mangé deux belles petites toasts blanches ou même de blé avec quelque chose dessus, encore pire si c'est du Nutella. Une autre chose que vous pourriez ajouter, bon, ça serait comme du psyllium. Du psyllium, c'est des fibres qui sont vraiment, qui vont aller décrouter les vieux déchets qui sont pris dans l'intestin, puis qui vont aller nettoyer elles aussi. On peut ajouter de la chlorophylle dedans, qui est très alcalin. Fait que votre corps, il va avoir vraiment beaucoup de possibilités. C'est pour ça que je suis spécialisée en irrigation du côlon, parce que la première maladie qui existe, c'est l'intoxication. Donc, quand on désintoxique comme par l'irrigation, on y va à pas de GM. C'est super important d'aller à la selle. L'idéal, ce serait 3 fois par jour, autant de fois que vous mangez, parce que pour que tous les mécanismes se font. Mais attention, ceux qui y vont 3 fois par jour, il y a 4 conditions pour dire que notre intestin va bien. Les selles flottent, elles se défont facilement, on n'a pas ou peu besoin de papier toilette, puis ça sent presque pas. Fait que la vieille maxime qui dit que « Ah, tu vas vivre vieux parce que ça pue », c'est pas vrai. Parce que quand ça pue, ça veut dire que ça va fermenter, ça va putréfier. Fait que c'est des petits trucs comme ça que je vais vous donner très bientôt. Je vais sortir un beau programme qui s'appelle Destination Santé, où je vais vous donner 3 beaux vidéos gratuits. Merci, bonne santé!